Bonsoir. Aujourd'hui, dans la série des 15 vidéos pour t'aider à faire de la place, pour vivre ta passion, je voudrais parler de l'importance de la visualisation. Je ne sais pas si tu as l'habitude de visualiser, mais ça aide énormément. Parce que ton inconscient, il ne fait pas vraiment la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et on peut s'en servir. Et puis après, il y a plein de théories qui vont dire que tu vas attirer ce que tu visualises. Il y a plein de livres qui sont écrits là-dessus. Tu peux expérimenter ça. Mais on ne doit pas se compliquer la vie à croire trop de choses. Parce qu'en fait, quand tu visualises, tu vas te sentir selon ce que tu visualises. Tu as certainement déjà fait l'expérience, je vais faire un détour ici, si tu penses à quelque chose de triste qui t'est arrivé dans le passé. Si tu penses à quelque chose comme ça, tu vas pouvoir te sentir presque tout aussi triste qu'à l'époque. Tu peux peut-être même avoir des larmes qui coulent et te morfondre là-dedans. Donc parfois on fait ça, non, n'est-ce pas? Parfois on se morfond et on se complaît. J'aime pas le mot complaire, mais parfois on se roule comme ça dans le malheur parce qu'on n'arrive pas à le quitter. Donc ça marche parfaitement aussi dans le sens inverse, avec quelque chose qui n'est même pas encore réel, qui n'existe pas. Donc ce que je voudrais que tu fasses ici ensemble avec moi, et puis que tu fasses tous les jours, tout seul pour toi, le temps qu'il faut. Prends 1 minute, 2 minutes de ta journée. Mets-toi simplement assis ou debout, n'importe où tu prends ce temps, mais prends ce temps. Et ce qu'on va faire ici, c'est visualiser. Donc, je voudrais que tu t'assieds quelque part et tu fermes simplement les yeux. Et tout simplement, maintenant que les yeux sont fermés, tu t'imagines, tu sens d'abord la chose qui te passionne. On en a parlé dans d'autres vidéos, donc j'espère que tu sais quelle est la chose qui te passionne le plus. La chose qui te passionne le plus dans ta vie, c'est dont tu peux en parler pendant 2 heures aux autres, et quand tu en parles, tout à fait, tu ressens de la joie. Ok? J'espère que tu as quelque chose comme ça. Sinon, retourne à une vidéo avant et essaye de trouver. Tout le monde a ça. Nous sommes donc les yeux fermés avec ce feeling de la passion. Tu peux t'imaginer, faisant ça, que tu vas expliquer ta passion maintenant à quelqu'un. Et cette personne est tout ouïe et tu lui parles de ce qui te passionne. Et tu commences à parler, parler, parler. Vois comment tu te sens maintenant que tu parles de cette passion que tu as. Et on va se voir maintenant plus loin, 5 années plus loin. Et là où tu te trouves maintenant, c'est dans cet endroit où tu vas ne faire plus que tout ce qui te passionne. Et cette passion qui t'anime, elle va remplir ta journée. Ton activité principale, c'est de vivre ce que tu adores tellement. Donc, imagine-toi, tu te lèves le matin et tu sais que tu vas faire ce qui te plaît tellement. Lève-toi, comment tu te sens là, à ce moment-là? Tu vas sauter de ton lit et tu vas faire ce qui déjeuner, t'habiller, etc. Tu es dans un endroit où tu vis. Peut-être c'est le même endroit que là où tu vis maintenant. Regarde si tu te trouves dans un autre endroit. Peut-être que c'est un endroit de rêve. Et d'ici, tu vois, donc tu déjeunes, tu te promènes. Regarde dans ce rêve éveillé, quelles sont les personnes que tu rencontres? Comment est-ce que tu te sens maintenant que tu sais que toute la journée va être remplie avec ce que tu adores faire, avec cette passion? Et là, de nouveau, tu rencontres une autre personne, et à cette autre personne, tu vas lui parler de ce que cette passion a pu faire pour toi sur ce chemin qui a commencé il y a longtemps, longtemps, mais surtout depuis la toute première personne à qui tu en as parlé tellement il y a 5 ans. Et vois si tu entends les choses que tu es en train de dire, ou si simplement tu ressens de nouveau comment est-ce que tu te sens maintenant qu'il y a 5 ans derrière toi où tu as laissé cette passion, tu l'as laissé prendre quelque part les rênes et tu as suivi ce que ton cœur avait envie de faire, et 5 ans après tu reparles à ce chemin merveilleux que tu as traversé depuis lors. Peut-être tu peux lui parler aussi de tout ce que tu as pu surmonter comme difficulté. Quelles étaient ces difficultés? Et là, tu vois comment tu parles. Et donc, puisque tu as cette passion et que tu l'as mise en œuvre, tu l'as mise au monde quelque part, regarde dans cette journée ce que tu es en train de faire.
ta passion que tu es en train de vivre, les choses que tu es en train de faire dans la journée, qui remplissent ta journée. Vois les gens que tu rencontres, vois les endroits que tu vois, où tu te trouves, et arrive donc le soir. Et le soir, qu'est-ce que tu fais? Probablement tu manges. Est-ce que tu manges avec tes gens? Quels sont ces gens? Et tu n'as pas besoin de mettre une tête dessus, mais juste comment tu te sens là-dedans. Et là maintenant, tu vas te coucher. Est-ce que ton cœur est rempli? Comment tu te sens en paix avec quelque chose? Fier, probablement. Voilà. Et là, tu peux ouvrir les yeux. J'ai essayé, évidemment, comme on est ici sur Facebook, de faire ça très court. Mais je te recommande de faire ça. Parce qu'en fait, quelque chose à l'intérieur va commencer à se sentir comme si c'était déjà la réalité. Et ce n'est que comme ça que tu vas la créer, cette réalité. Parce que tu vas te créer une image de cette réalité que tu veux tellement. Et tu vas trouver le courage de la créer. Et comme par magie, en tous les cas, c'était comme moi, comme ça s'était passé pour moi, comme par magie, les choses vont arriver dans ta vie. Parce qu'il y a une orientation qui se fait. Quelque chose à l'intérieur comprend que tu fais cette place pour ta passion et va t'attirer quand même les choses qui arrivent. Tu vas pouvoir commencer, quelque chose à l'intérieur commence à y croire. Toi, peut-être, tu n'es encore pas du tout capable d'y croire, mais ce n'est pas grave. Ton inconscient, lui, il se réjouit. Ton cœur, il danse parce qu'il a droit à vivre quelque chose, même si dans la réalité, c'est pas du tout encore vrai. Et tu vas trouver les moyens de vivre. Et c'est très, très, très important. Moi, au début, quand j'ai commencé avec les visualisations, je me dis, bon, ben, j'y crois pas. Je crois que je suis pas capable. D'ailleurs, j'ai été parler à des gens pour dire, écoute, moi, je sais pas le faire. Et puis j'ai lâché tous ces trucs. Je me dis, waouh, je me sens tellement bien quand je fais ça. Je me sens tellement bien. Imagine que tu es dans une prison et tu peux rêver la liberté. Hein? Bon, ben voilà, tu te sentiras bien et c'est déjà ça. Donc, je t'invite à visualiser et visualiser et visualiser tous les jours un petit devoir pour te faire de l'espace pour ta passion, pour permettre à ta passion de voir le jour et de briller. Et de t'amener, toi, là où tu dois être. Je te souhaite une très belle fin de journée ou matinée ou journée, selon à quel moment tu entends ma vidéo. Et ça me fera très, très, très plaisir si tu pouvais me mettre dans les commentaires ici, si tu es habitué à visualiser ou si cette visualisation guidée ici te aide et si tu la mets en œuvre, si tu la mettras en œuvre. Tu peux même t'engager ici dans les commentaires et dire et t'engager à visualiser tous les jours, peut-être jusqu'à la fin de ma vidéo, série de vidéos de 15 jours ou plus longtemps, selon qu'est-ce que tu as envie de faire. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très contente que tu écoutes mes conseils, j'espère que tu les mets en œuvre. Ça change une vie, ça je peux te le garantir. Ce sont des petites choses qui vont très loin. Bonne journée à tout le monde et à très bientôt, à demain pour la prochaine vidéo.